Eva. Eva, porte le vernis que tu m'as emprunté hier là. Chérie, j'ai mal compris où tu as appelé Eva. Il est 7h et qu'est-ce qu'elle fait encore à la maison? Pourquoi elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui? C'est quoi ces questions idiotes là? Va-t'en me lui demander si tu y tiens. Je veux savoir pourquoi ma fille n'est pas allée à l'école. Est-ce qu'elle a un problème ou elle a un souci? Manga, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour papa, tu as bien dormi? Je rêve ou quoi? Mais toi aussi tu n'es pas allée à l'école aujourd'hui? Depuis que j'ai demandé mon venir à ta soeur, elle attend que moi-même j'aille le chercher ou quoi? Bon ça, quelqu'un va me dire ce qui se passe dans cette maison? C'est toi que je parle! Et toi, tu vas enfin te décider de m'expliquer ce qui se passe ou tu vas continuer à me manquer de respect malgré le temps qui est passé? Et je te croyais pourtant différente. Excuse ma vie, je n'ai pas le temps à perdre pour répondre aux questions inutiles. En plus, tu as pourri ma vie. L'argent, tu n'as pas. L'élégance, non plus. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pardon, excuse ma vie. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu sais au moins que c'est un demi-million que j'ai payé pour les pensions? Est-ce que tu sais comment j'ai souffert toutes ces années loin de vous? Pour que mes filles viennent laver les habits à la maison? Manga, appelle ta soeur, on va discuter tout de suite. Arrête les histoires que tu racontes là. Tu as les filles et tu ne sais même pas ce qu'elles deviendront demain. Et tu me parles de scolarité. Mes enfants, malgré tout, je ne comprends pas comment je n'arrive pas à être en colère contre vous. Ta colère va servir à quoi ou à qui? Mes enfants, dites-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à l'école comme vos amis? Papa, j'étais fatiguée des moqueries de mes camarades de classe. C'est pour ça que j'ai préféré faire mon petit commerce pour ne déranger personne. Papa, quand tu sors, tu croises des femmes qui ont le master, qui discutent le taxi avec toi. D'autres ingénieurs agronomes et marchands dont le prix de la tomate au marché jusqu'à simplifier. J'ai compris que la finalité c'est l'argent et rien d'autre. Mes enfants, la vie ne tourne pas qu'autour de l'argent. Parlez ça. C'est le pauvre qui n'aime pas le caviar. Les filles qui roulent les grosses voitures là-dedans ne sont pas des femmes comme nous. Si tu sais où tu vas, tu sais comment et avec qui marcher pour réussir. Il faut juste prendre soin de sa beauté. Hein, Manga? Et rien que de sa beauté, tu vas réussir. Mes enfants, la beauté d'une femme, c'est son caractère. Voilà pourquoi j'ai pris les dispositions pour vous. Papa! Eva veut tout simplement dire que l'école n'est pas faite pour tout le monde. La vie, c'est la chance. Mais le succès n'est pas facile, ma fille. Et tu as l'air de prendre ça simplement, ma fille. Mais dites-moi, comment est-ce que vous vous voyez d'ici quelques années, hein? Bah, à défaut du miel, on se contente de la banane nue. Si je ne trouve pas l'homme qu'il me faut pour réussir, je deviens star influenceuse sur les réseaux sociaux. C'est simple. J'ai pas compris. C'est quel métier encore ça? Hey, hey. Papa, il faut t'informer. C'est le métier de l'heure. Vraiment? Si moi, je n'épouse pas un homme riche, je deviens le modèle de la réussite sur Internet. Et quand tu es star, tu n'as que des amis stars. Et Dieu seul sait ce que font les stars entre eux pour gagner leur vie. Ma fille, tu cours. Va doucement. Je voulais être médecin. Mais comme il faut passer beaucoup d'années sur les banques, je préfère lancer ma boutique en ligne. Comme ça, je gagne rapidement d'argent. C'est encore quoi ça? Papa, je veux dire vendre les vêtements sur Internet. L'Internet, c'est l'avenir. Donc, après ces efforts consentis, malgré les coups durs de la vie, à
après tous ces sacrifices durant toutes ces années, c'était pour payer des études aux enfants qui ne rêvent que d'Internet. Tu aurais voulu qu'on fasse quoi, papa? Le ménage ou valet de chambre du voisin? Que vous fréquentiez? Que vous soyez modèle pour la famille, c'est trop demander ça? Donc comme ça tu veux nous faire culpabiliser, papa? Si on échoue, c'est de notre faute. Parle pour toi, Emanga, parle pour toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? C'est toi le responsable de notre échec. Puisque tu trouves que ne pas aller à l'école, c'est rater notre vie. Mais papa, ce que tu ignores, c'est qu'il y a l'école et il y a l'école de la vie. Oui, papa. Si on échoue, c'est à cause de toi, de ton absence dans notre vie. À peine tu arrives, tu trouves ma peau bien entretenue, tu commences à te plaindre que je me décape. Tu sais pas qu'une jeune fille doit être présentable. Mes enfants, j'ai tout fait pour que vous ne manquiez de rien. Erreur, papa. Erreur. C'est irresponsable ce que tu dis. Est-ce qu'on peut abandonner ses enfants pour de l'argent? C'est ça que tu parles doucement comme ça? Quel argent? Qui dépose ses sommes pour un compte? Il faut qu'ils sachent ce qui veut dire être responsable. Comme je ne vous ai pas inscrit là. Donc, vous me prenez pour un irresponsable. C'est l'image que votre mère vous a donnée de moi? Laisse notre mère en dehors de sa papa et assume-toi pour une fois. Quand tu nous laissais grandir ça être là, tu croyais que quoi? Tu sais ce que moi, ta fille, j'ai subi à l'école? Ma fille, les choses ont l'air faciles, mais rien ne se passe jamais comme on prévoit. Je vois très bien ce que tu veux faire, papa. Tu veux qu'on déteste maman, mais sache que c'est peine perdue. Elle au moins, elle a été là. Elle nous a soutenus. Elle s'est battue pour nous. Pendant que toi, tu étais occupé à faire le tourisme dans ton travail. Tu étais occupé à vivre sa vie, oui. Il a passé le temps à vivre sa vie avec ses amis et ses femmes. Il n'a jamais pensé à vous. Il ne pense à nous que quand sa conscience le juge. Maniwa, qu'est-ce que tu me fais là? Quelles sont ces conneries que tu racontes devant les enfants? Tu crois que je vais te casser? Après plus d'un an dehors, tu reviens sans un sou. J'ai traversé l'âge où je rêvais mon chéri. Donc comme ça, papa se tape d'autres femmes? Mon Dieu, je croyais que tu étais différent. Je suis différent, ma fille. En plus, c'est même pas de ça qu'on parlait avant que votre mère vienne nous distraire. Découvrir que mon cher papa se tape d'autres femmes au lieu de prendre soin de nous est une distraction. Bon Dieu de miséricorde. Papa, tu me déçois énormément. Tu sais combien de fois j'ai payé des gens pour se faire passer pour mon père pour me défendre à l'école? Et dit que je te faisais confiance. Franchement, je ne sais même plus quoi penser. L'homme que j'avais épousé était élégant. Il respectait sa femme. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Si ce n'était pas mes filles, je regretterais. C'est justement elle qui me console quand je regarde notre passé. Je t'ai donné tout ce que j'avais, me privant de tous les plaisirs. Mais tu t'es pas foutu de scolariser ces enfants. Je te déteste, Manuwa. Qu'est-ce que tu fais, Manuwa? Tu veux montrer quoi à qui? En tout cas, tu me connais. Toi-même, tu ne m'ignores pas. On te titille juste un peu comme ça, tu te fâches. Comment est-ce que tu voulais que je me sente quand tu débites autant de bêtises devant les enfants? Comment tu veux qu'elle nous voie? Et voilà que tu deviens raisonnable. Je savais que tu n'as pas changé. Tu restes mon vieux bout de chou. Même comme tu travailles ton argent pour tes filles. Et toi, tu restes une vieille chouette difficile à transformer.